fonctionne, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour qu'on soit sûr que tout fonctionne. Merci de votre retour. Voilà, j'attends le premier message pour être sûr que nous sommes bien en direct. Hello, un petit message s'il vous plaît. Hein? C'est ok. Bon, on va démarrer. Je n'ai rien. Alors, je n'ai rien. Hop, hop. Avez-vous... Voilà, je vois Clémence qui aime la vidéo, mais est-ce que vous voyez quelque chose? Ça marche très bien. Yes. Ok. Bien. Nous revenons. Alors, si ça marche, c'est top. Les personnes qui n'ont rien. Bon. Allez, on va démarrer. Donc, bonjour. Merci d'être présent. Donc, nous allons vous proposer une séance. Petite séance avec des bases. Un échauffement que j'ai l'habitude de faire au centre Santé Vous Sport. Pour ceux qui ne connaissent pas ma méthode, donc vous allez essayer de vous habituer à mon discours. Voilà, vous allez essayer de faire pour le mieux. Alors bien sûr, si vous avez des blessures, des douleurs particulières, on ne force pas. J'essaierai de vous amener des adaptations. Bien sûr, là, je ne peux pas vous corriger, je ne vous vois pas, donc soyez prudent malgré tout. On ne fait pas n'importe quoi avec son corps, on fait attention à sa posture. Donc on va démarrer dans une position assise. Donc, nous deux, Roland et moi, nous sommes assis sur des feetballs. Alors je comprends que tout le monde n'a pas de feetball à la maison. Vous prenez une chaise, un tabouret, ça fera l'affaire. Hein. L'assise... Il va falloir faire attention à votre assise. Essayez d'avoir vos deux pieds parallèles de la largeur de votre bassin. On va essayer de placer les alignements. Talons, genoux, bassin, épaules. On va essayer de rétablir cet alignement. Que l'on soit assis sur un ballon, sur une chaise, un tabouret, on veille à ce que vous ayez bien l'angle droit entre le buste et vos cuisses. Si ce n'était pas le cas, peut-être qu'il faut rehausser avec des briques sous les pieds ou des livres de façon à avoir cet angle droit pour bien placer votre bassin. Dans un premier temps, on va aller chercher la peau des fesses. On tire la peau des fesses en arrière pour s'asseoir sur les deux ischions, la pointe des fesses, les os pointus. On va aller chercher l'auto-grandissement maximal. On se grandit sous la toise. Attention, se grandir sous la toise, c'est... allongé par le sommet de la tête. On ne relève pas le menton pour se grandir. On va allonger son cou. Et tout naturellement, en essayant d'être le plus étiré possible, votre respiration abdominale va se mettre en place. On va commencer par quelques respirations abdominales. Cette respiration est particulière. Elle part du périnée. Le périnée, c'est le starter de l'expiration. On va contracter le périnée, les hommes comme les femmes, en contractant le puborectal, c'est le muscle qui entoure l'anus. On va imaginer qu'on retient un gaz, tout simplement, et ensuite, on va expirer bouche ouverte en détendant bien la mâchoire du bas. On part du périnée.
et vous allez essayer d'expirer le plus longtemps possible. Puis, à l'inspiration, pour reprendre de l'air, vous laissez l'air revenir tranquillement par le nez et par la bouche. Je commence toujours par une expiration. Je n'ai pas besoin d'inspirer, par exemple ça, pour expirer. J'ai besoin d'abord de vider, expirer, pour pouvoir remplir. Donc, nous commençons toujours par une expiration. Elle partira du puborectal, le périnée que nous avons en commun avec les hommes. Vous faites quelques respirations tranquillement, en essayant d'être bien ancré dans le sol, vos deux pieds bien appuyés dans le sol. Comme vous préférez pour les bras, soit vous les posez sur vos cuisses, soit vous préférez les relâcher de chaque côté du buste, ce qui vous permettra aussi d'alléger vos épaules, de les abaisser. N'ayez pas peur de faire du bruit lorsque vous expirez. Attention, il faut ouvrir la bouche, pas deux lèvres pincées, pas comme ceci. Là, vous n'expirez pas. Il faut expirer bouche ouverte. Bien, nous allons commencer par trois exercices, où on va essayer de placer trois expirations sur chaque posture. La première posture, on va placer les doigts de cette façon, les griffes du chat, que l'on va placer derrière les fesses. De cette façon, vos omoplates vont se rapprocher, vos coudes aussi vont se rapprocher. Bien ancré dans le sol, je vais légèrement appuyer avec le bout des doigts sur mon ballon ou sur ma chaise et je ferai attention quand même de ramener légèrement le coccyx vers l'avant pour placer correctement mon bassin qui va mettre en tension tout de suite le bas du ventre, le transverse. On est parti pour trois respirations. Laisse inspirer. Alors, bien sûr, chacun va à son rythme. Je commence à sentir l'engagement de mes abdominaux. Le rôle des abdominaux, c'est de tenir votre colonne vertébrale. Puis, nous allons enchaîner avec la posture de l'aigle. On va croiser les bras au niveau des coudes de cette façon. Tournez les paumes de main à l'extérieur de vos épaules. Montez légèrement vos coudes. Reculez votre tête. Vous allez donc placer trois respirations en croisant dans ce sens, puis trois autres respirations en croisant dans l'autre sens. Allez, c'est parti. Lorsque vous avez fait les trois premières respirations, vous croisez dans l'autre sens. Attention, vous tenez bien votre tête, tenez votre tête, ne la laissez pas tomber. N'oubliez pas, on part du périnée pour expirer. Dans cette posture, contrairement à la première, là on va chercher un dos rond. La première posture, nous étions sur un dos creux. Sans à-coups, on libère les bras. Troisième posture, vous placez une main sur vos côtes.
Puis on monte le deuxième bras. Et là, on fait très attention de ne pas monter l'épaule dans l'oreille, vous voyez? Alors déjà, esthétiquement, c'est pas très joli. Et en plus, il faut retenir que vos épaules ne sont pas du tout copines avec vos oreilles. Donc on fera toujours attention à ce que les épaules s'éloignent bien des oreilles. On repousse le plafond. On tourne la tête du côté du bras qui est donc tendu. Vous reculez votre tête en ramenant le menton. Et vous placez votre regard plutôt vers le sol, sous votre aisselle. Vous allez expirer dans ce bras en extension et inspirer dans les côtes, dans la main. Trois respirations. On garde le rythme des trois respirations. Puis, lorsque vous avez terminé, on place de la même façon de l'autre côté. La main sur les côtes, je monte le deuxième bras, je place, je construis ma posture avant de placer la respiration. Là, on est en train de la construire, on tourne la tête, on recule le menton. J'expire dans ce bras en extension, j'inspire dans les côtes. N'oubliez pas, la respiration part du périnée. Cherchez à vous grandir au maximum. Et on relâche tout doucement. Un petit temps pour conscientiser. Si j'ai envie, je ferme mes yeux, je place mes mains soit sur mes cuisses, soit je laisse tomber mes bras de chaque côté. On prend le temps pendant 10-20 secondes de ressentir. La suite, on va faire ce qu'on appelle une purge. Vous allez croiser vos doigts de cette façon, si possible, collez vos pouces et peut-être les petits doigts. Ça dépend un petit peu de la souplesse de ces doigts. Si on n'arrive pas les petits doigts, c'est pas trop gênant, on va essayer quand même de coller les pouces. Les doigts sont croisés dans ce sens, on fera trois respirations avec les doigts croisés dans ce sens et on changera le croisé pour faire trois autres respirations. On va garder le rythme de trois respirations. On va placer les mains au-dessus de la tête, écarter les coudes, faites attention au placement de votre bassin, on ramène légèrement le coccyx vers l'avant. Je vous montre une première fois. À l'expiration, on va repousser le plafond et à l'inspiration, on va retenir le plafond. Laisse inspirer. Et on repart du périnée, n'oubliez pas. Vous continuez. J'essaye de tendre au maximum mes bras, le plus tendu possible. Alors ça va dépendre de vos épaules. J'essaye de les tendre et j'essaye aussi de les amener un petit peu vers l'arrière, mais je m'adapte. Alors bien sûr, si j'ai une blessure, une douleur particulière, je ne force pas sur mon articulation. Ça tire sur les muscles, c'est normal, mais si vous ressentez une douleur particulière au niveau articulaire, vous arrêtez, vous stoppez. Une autre façon de travailler sans mouvement, pour les personnes qui sont blessées, vous imaginez faire le mouvement. Donc, si c'est impossible pour vous de faire ce
cet exercice en tendant les bras, vous allez simplement imaginer le mouvement. En fermant les yeux, c'est un petit peu plus facile. Donc vous n'oubliez pas, vous avez fait 3 expires en croisant les doigts d'une certaine façon, puis on reprend 3 autres expires en croisant les doigts dans l'autre sens. C'est bon Roland ? Deuxième série. Je pars du périnée, je ramène légèrement le coccyx vers l'avant, je cherche à me grandir au maximum, je travaille mon expiration pour qu'elle soit la plus longue possible et je laisse inspirer, je laisse descendre mes mains juste au-dessus de la tête. Et là, je vais essayer d'écarter mes coudes, de rapprocher mes omoplates. Voilà, très bien. On va donc terminer le mouvement à l'inspire. Vous allez croiser vos... Rapprochez, pas croiser les doigts, pardon. Collez vos mains et croisez uniquement les pouces. On place les pouces au niveau du sternum. On écarte les coudes. On va chercher le petit creux entre les omoplates. Coccyx vers l'avant pour placer correctement le bassin. On descend les épaules, on descend ses épaules. Attention, les épaules ne sont pas copines avec ses oreilles. On presse les deux mains l'une à l'autre, sur l'expiration. Et là, j'engage mes abdominaux. Je tourne mes poignets pour placer mes doigts au niveau du sternum. Alors ça, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Parce qu'il va falloir essayer de garder les deux mains collées l'une à l'autre. À nouveau, je presse, je place mes épaules, je conscientise. Vous allez ouvrir le livre, c'est-à-dire que vous allez écarter vos mains en gardant les petits doigts collés de cette façon. Là encore, peut-être que vous serez dans cette position plutôt que comme la mienne, là, avec les petits doigts collés. Vous allez adapter, ce n'est pas gênant. On essaye de poser sur la poitrine, puis tranquillement, vous allez monter vos mains pour cacher le visage. On monte, on monte, on monte, on va cacher le visage. Là aussi, pas évident pour tout le monde à cause des épaules. Puis je ferme le livre, je joins mes deux mains, je croise mes pouces, je tends vers le plafond. J'essaye de rapprocher le plus possible mes biceps de mes oreilles. Attention, monter les bras, ce n'est pas monter les épaules. Là, ce n'est pas terrible. Je descends mes épaules. Comme je peux, donc je rapproche les biceps des oreilles, puis en pressant les deux mains, je laisse mes deux mains aller derrière ma tête pour les emmener vers les omoplates. Je tire sur les coudes, je prends le temps de placer. Je tire sur les coudes, je rapproche les biceps, je ramène le coccyx vers l'avant et je reste. J'engage mes abdominaux. Une dernière fois. Tout en gardant mes deux mains pressées, je les ramène vers l'avant. De cette façon, je protège mes épaules. Je replace au niveau du sternum. Puis, je laisse aller de chaque côté. Je laisse tomber mes bras.
Je secoue un petit peu mes mains, mes épaules. Et on continue. On repose dans le vide avec les paumes de main. On en profite pour abaisser ses épaules. On tient sa tête. Menton vers le sternum. On fait attention de ne pas lever le menton ni trop le descendre. On allonge son cou. Et là, je vais repousser avec mes mains dans le vide pour m'aider à abaisser un petit peu plus mes épaules. Je vais tourner ma tête tranquillement sur le côté pour aller regarder ce qui se passe à droite, puis à gauche. Allez, trois répétitions. On garde le rythme de trois répétitions de chaque côté. Ok, on replace bien la tête dans l'axe. On incline légèrement la tête sur le côté, léger, hein, sinon on risque d'écraser de ce côté et trop ouvrir de l'autre. Et là, vous allez imaginer qu'on vous attrape l'oreille, qu'on la tire vers le plafond et avec la main du même côté, on va repousser dans le vide. Allez, d'un côté puis de l'autre. Monte l'oreille vers le plafond, repousse la main dans le vide. D'un côté, là. Puis de l'autre, allonge bien, étire tout le côté là, ça fait beaucoup de bien, là au niveau du trapèze. Alors, lorsqu'on repousse avec la main, l'autre main, ou la lâcher, hein, d'un côté, puis de l'autre. Répétez trois fois. Pour terminer, vous allez tourner votre tête dans un sens, puis dans l'autre. Alors là, attention, on ne laisse pas partir la tête en arrière, on ne la laisse pas tomber. Elle reste dans l'alignement. Avec vos yeux, vous allez essayer de balayer le sol, le côté, le plafond. Et observez. Peut-être que vous avez une sensation d'avoir des petits grains de sable là, dans la tête. Ok, on termine. Cette fois-ci, je vous autorise à monter vos épaules aux oreilles, mais vous lâchez. On monte et on relâche. On monte et on relâche. Alors nous qui sommes sur des ballons, on a aussi un petit mouvement avec le ballon qui n'est pas désagréable. Ok, bien. Nous allons utiliser maintenant des sangles de yoga. Alors tout le monde n'a peut-être pas de sangles de yoga et n'a pas prévu pour cette première séance. Si vous avez un foulard, une ceinture à disposition, et sinon ben, on va placer avec les mains si personne n'a prévu de matériel particulier. Vous allez placer votre sangle ou vos mains. Alors, je montre avec la sangle sur le sommet de la tête, sur le plat de la tête. Et maintenant, je vais montrer avec les mains. On peut croiser les mains et placer les mains sur le sommet de la tête. Sur l'expiration, on va repousser le sommet de la tête. Tiens ta sangle de chaque côté. Descends tes épaules, même descends tes mains si tu veux. Voilà. Tiens plus là. On va repousser le sommet de la tête donc contre les mains ou contre la sangle en reculant le menton, en essayant d'avoir un beau port de tête. Okay. On aligne bien les cervicales, on ne laisse pas tomber sa tête, ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Là, on va renforcer les muscles qui tiennent notre tête. Je le montre avec les mains. J'expire, je pars du périnée, vous n'oubliez pas.
qui appuie très très fort. Je cherche à me grandir. Imaginez que le plafond vous écrase. Et je repousse. Et je laisse inspirer. Ok, je vous laisse terminer. On va utiliser trois positions. Donc, sommet de la tête, puis maintenant derrière la tête au niveau de l'occiput. On place, l'occiput c'est la bosse du crâne, la bosse qui est derrière la tête. Ne posez pas vos mains sur les cervicales, mais bien sur la bosse là. Et de la même façon, à l'expiration, toujours en partant du périnée, je repousse l'arrière de ma tête contre ma sangle ou contre mes mains. J'engage mes abdominaux. Un petit travail de gainage. Je reste concentrée sur ma respiration. Allez, encore une ou deux respirations. Voilà, comme Roland, vous voyez, vous placez un dos bien étiré, le plus plat possible. Ok. Troisième position pour la sangle ou les mains, on placera au niveau du front. Si je peux, j'essaie d'écarter mes coudes. Bien sûr. Encore une fois, ça dépend des épaules. Si c'est douloureux en écartant trop fort, je ne fais pas. S'il y a des blessures qui ne me permettent pas de placer mes mains de cette façon, mes bras de cette façon, je ferme mes yeux, j'imagine l'exercice et je travaille par la visualisation, par l'imagination. Ça demande un petit peu d'expérience, mais c'est très efficace. Voilà, pour les gens qui sont blessés, qui sont alités, ça permet de continuer de travailler quand même au niveau de sa musculature. Ok. On termine. On laisse retomber les bras. Et comme tout à l'heure, là, on a le droit de monter les épaules, mais on les relâche tout de suite. On monte et on relâche. On monte et on relâche. Ok. Bien. Nous allons quitter la position assise pour aller travailler debout. Lorsqu'on est debout, on veille au placement de ses pieds d'abord. Je ne sais pas si vous allez voir vos pieds, moi je vais me reculer, voilà, ça va être mieux si je m'éloigne. La position des pieds au sol, largeur du bassin, se calcule de cette façon. Vous mettez votre talon dans le creux du pied et vous ouvrez. Et normalement là, vous avez la largeur de votre bassin. Certaines personnes ont pris des habitudes d'ouvrir un peu plus. On accepte, mais pas trop non plus, d'accord? On essaie toujours de récupérer, de retrouver son alignement, talon, genou, pardon, bassin, épaule. Voilà, dans cette position debout, on déverrouille au niveau des genoux, on lâche un peu dans les genoux. On va aller chercher l'auto-grandissement maximal. On se grandit sous la toise. Hein. N'oubliez pas, se grandir, ce n'est pas relever les mentons. L'exercice, vous allez placer les pouces dans le pli de laine, ici, là. Ça plie, là, vous voyez. Et on va imaginer que vos pouces, ce sont des petites noisettes que vous allez essayer de casser
avec l'os de votre bassin. Vous allez démarrer genoux pliés, tirez vos fesses vers l'arrière, poussez les ischions vers l'arrière au maximum, sans forcément aller chercher l'horizontale dans un premier temps. On va veiller à ce que le dos soit le plus étiré possible. Pour réussir à étirer son dos, on part du périnée, contracte le périnée et on ramène ce que j'appelle la queue du chat. Et là, tout de suite, les lombaires s'allongent, s'étirent. Suivant les colonnes vertébrales, il faut aller creuser un petit peu entre les omoplates, sans trop exagérer. Voilà, pour que le dos soit bien étiré, jusqu'au sommet de la tête. On ne casse pas sa nuque, voyez, on évite qu'il y ait trop de plis ici, on étire au maximum. Voilà, on va rester dans cette position. On va essayer de tirer les ischions vers l'arrière et d'aller se grandir par le sommet de la tête. On part du périnée, expire, étire, 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 étire au maximum. Allez, on reste un petit temps sur cette posture. Pour certains, vous allez sentir peut-être derrière vos cuisses, la chaîne postérieure. Si vous n'avez pas l'habitude, ça va certainement chauffer au niveau du dos, mais c'est très bon pour votre dos, c'est très bon aussi pour la sangle abdominale. Ça commence à décharger un petit peu au niveau de votre plancher pelvien, des disques intervertébraux. Donc en fin de journée, c'est assez tonique, mais c'est agréable pour votre corps. Puis, vous allez relâcher ventre, poitrine, puis tête et relâchez les bras. On fait très attention dans cette posture. Il faut absolument que votre ventre soit collé à vos cuisses. Si c'est difficile pour vous, il faut plier un petit peu plus les genoux. Voilà, Roland va nous montrer. Alors, plus on plie les jambes, plus ça va les travailler au niveau des quadriceps. Donc, il faut trouver le juste milieu. Mais surtout, vous me gardez le ventre sur les cuisses. Sinon, vous risquez de vous faire très très mal au dos. Alors tant pis pour les cuisses, tant pis si ça fait mal dans les cuisses, mais je reste ventre sur cuisse. Pour remonter, on placera les deux mains sur les cuisses. On part du périnée et on remonte avec un dos plat, pas question d'arrondir le dos. On tire, on tire, on tire, on tire le coccyx entre les fesses et on se relève dos plat. Toujours avoir un dos le plus étiré possible pour ne pas risquer de se blesser. Ça chauffe un peu, Roland un petit peu chaud. On va faire un squat, on va avoir trois niveaux de squat. Alors, on plie les genoux, voilà, ouais, on va démarrer le premier niveau, on tire les fesses vers l'arrière, oh, tu peux peut-être plier un petit peu plus les fesses, voilà, et si possible, on place les bras dans le prolongement du buste. Si c'est trop difficile pour vos épaules, pas question d'aller tendre les bras. Vous placerez vos mains sur vos cuisses. Allez, on reste dans la position. On est concentré sur sa respiration. On est bien ancré dans le sol. Ça respire dans le ventre. On absorbe son ventre pour protéger son dos. Puis, je relâche. Ventre, poitrine, tête, on lâche tout vers le sol. N'oubliez pas, vous me gardez bien le ventre sur les cuisses. Pas question de lâcher. On va commencer à assouplir un peu plus la chaîne postérieure. On va essayer de déplier un petit peu plus les jambes. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est attraper une fesse avec les mains, comme ça. Tu prends ta fesse dans tes mains. Tu tires une fesse vers le plafond. Monte les ischions vers le plafond, une fesse, puis la deuxième. Hop, juste pour monter tes fesses et tu relâches tes bras. Lâche tes bras. Voilà. Et là,
Bah, suivant sa souplesse, on va aller déplier par la pointe des fesses. Surtout pas lâcher le ventre des cuisses. Ok. Pour remonter, deuxième version. Si c'est trop compliqué pour vous, attention le dos roulant, attention, pliez tes jambes, pliez tes jambes. Si c'est trop compliqué cette version, vous reprenez la première version avec les mains sur les cuisses. Sinon, on croise les doigts dans le dos, on croise, croise les doigts, tournez les mains, tirez sur vos bras, remontez dos plat, coccyx entre les fesses, le dos s'étire, on se grandit, et on remonte. Ok? Et on relâche les bras. On peut peut-être tourner un petit peu les épaules. Ok. Ça va? Ça va. Deuxième squat, on va essayer de descendre un petit peu plus. Alors attention, je ne force pas, si surtout j'ai des problèmes de genoux, je vais tranquille me placer dans la posture. Je précise, je plie d'abord les genoux, je plie, donc je descends, je vois jusqu'où je peux plier. Et au max, on tire les fesses vers l'arrière, top, 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 top. On descend un petit peu les fesses sur le haut, les fesses. Ok, t'es au max. Attention, c'est pas la peine de descendre les fesses, c'est de compenser avec le dos. Hein. Je monte les bras comme tout à l'heure. Si j'ai du mal, bras tendus, je peux peut-être attraper mes coudes. Est-ce que c'est mieux pour toi d'attraper tes coudes? Voilà, attention à la nuque, bassin placé, coccyx entre les fesses. Allez, on reste, on respire, on prend le temps de respirer. Ça chauffe au niveau des cuisses? Là, c'est bien tendu, hein? Ok, je relâche, ventre, poitrine, tête, hop, je relâche. Ventre sur cuisse, ventre sur cuisse. Là, je ne triche pas. Sinon, je me blesse. Et puis, j'essaye de déplier. Je déplie par les ischions, par là. Je monte les fesses au plafond. Allez, je tire sans quitter le ventre des cuisses. Si ça tremble, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Continuez. Voilà, je vérifie. Le ventre est collé, vous voyez, pas de souci. Pour remonter de cette posture, soit première posture avec les mains sur les cuisses, soit les bras dans le dos, ou alors, si je peux, les bras devant. Je tire sur mes bras, attention, je ramène le coccyx entre les fesses, je creuse entre mes omoplates, je pars du périnée, j'expire pour monter, j'expire. Là, une fois que je suis arrivée en haut, je relâche sur les côtés. On pourrait relâcher sur les côtés aussi. Ok. Ça va aller? Ou on recommence? Je pense que c'est bon, non? T'en penses quoi? Ça va, c'est bon. Bien. Je vérifie l'heure, je ne sais pas trop. Voilà, ça fait pratiquement 3 quarts d'heure d'activité. Bien, bah, pour cette première séance, je pense que on va s'arrêter sur les exercices de renforcement musculaire. On va terminer tranquillement, assis sur une chaise, sur un ballon, au sol. Si vous avez des accessoires, des coussins, un corpomètre, trouvez une position où vous vous sentez bien pour terminer la séance. Tranquillement, les yeux fermés, sur un ballon peut-être, Roland. Pour l'assise, vous vous souvenez, on fait attention au placement des pieds, on va chercher la peau des fesses pour bien s'asseoir sur les ischions, on va chercher l'autre grandissement,
Donc s'il y avait besoin, si vous n'avez pas l'angle buste-cuisse, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez mettre quelque chose sous vos pieds, mais là ce n'est pas le cas pour Roland, c'est juste pour vous montrer. Voilà, on rehausse avec des briques, des livres, pour avoir l'angle à 90 degrés, mais là je vais retirer. Vous allez placer vos bras quand vous le souhaitez, soit le long du corps, soit vous posez vos mains sur vos cuisses et vous allez fermer vos yeux. Prendre le temps de conscientiser, d'observer. J'accueille mes pensées sans jugement. J'essaye de me recentrer sur moi, sur mes sensations. J'essaye de faire abstraction des bruits extérieurs pour me recentrer, me connecter à mon corps. Je laisse ma respiration calme, je ne la force pas, je ne la bloque pas, je suis là, présent. J'apprécie ce moment. Je ne m'écroule pas pour autant, je garde cet auto-grandissement, ce qui va me permettre de mieux respirer. Le signal du bol tibétain va nous permettre de nous reconnecter, d'ouvrir tranquillement les yeux. Si vous ressentez le besoin de vous étirer, de bâiller, laissez faire les choses tout naturellement. Je remercie mon élève. Je vous remercie tous d'avoir été présents. Donc nous souhaitons, Roland et moi, vous
proposer voilà, tous les jours une séance, le rendez-vous donc à 17h. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Nous avons besoin de nous améliorer, ça c'est sûr. Hein. Pour la première, c'est pas évident pour nous deux, mais bon, on fait comme on peut. J'espère que cette séance vous a plu. J'espère vous retrouver nombreux dès demain, donc demain mardi à 17h, même horaire, même lieu. Et surtout, bah, nous pensons bien à vous, nous espérons que vous allez tous bien, vous, vos proches. Et puis, bah, faisons attention, restons dans nos maisons, restons à la maison. Voilà, nous serons là pour vous aider à passer un petit temps pour vous occuper donc, de votre bien-être. Nous attendons vos commentaires avec impatience. Merci encore. Et puis, bah, ciao, à demain. Ciao. Ciao.